Bonjour les gens, vous allez bien? Oui? Eh ben moi non! Haha, je rigole. Oh Rénal, comment tu vas? Yo, comment on se retrouve? Je sais pas où tu es, bien putain, t'allais te ramener des souvenirs, pense à moi. Hein. C'est tout? Ouais, reparle-moi un peu là! Chouk! Ouais, chouk! Chouk! Hey, chouk! Dis-moi juste, par curiosité, tu trouves 1 million de clochettes par terre, tu dépenses quoi? J'épargnerais. Je ferais un don. Un bon perso, dans un bon resto. Alors, je ferai un don quand même. Parce que, bon, j'en ai quand même 20 millions, donc je m'en fous. Qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est beau de voir, mais tu sais, personne ne t'en voudra si tu regardes un peu pour toi. Oui, oui, bon, oui, je vais quand même en garder pour moi, Rénal, voyons, oui, c'est tout à fait normal. Enfin, un peu d'humanité, s'il te plaît. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est moche? Qu'est-ce que c'est moche? Ah, pourquoi avez-vous une moustache sur la tête, madame? S'il vous plaît, expliquez-moi. Je ne comprends pas. Yark, vous êtes moche, madame. Je ne vous ai jamais parlé. Ne me touchez pas. Je vais m'énerver, là. Foutez le camp. Merci. Oh, des bambous. C'était une voix particulièrement spéciale. Enlevons les bambous. Bambous. Je mange des pousses de bambou, je vais bien. Alors voilà, comment survivre dans la nature avec Manu? Alors prenez des bambous, c'est très important. Alors surtout creusez pas à côté parce que c'est totalement inutile. Donc voilà, vous prenez le bambou. Voilà, une fois que vous avez pris le bambou, vous prenez le bambou et vous mangez le bambou. Et voilà, comme des thugs. Et vous, surtout, vous ne le lavez pas. Vous ne passez pas dans l'eau parce que c'est pas bon. Il faut bien garder la terre dans les dents parce que c'est excellent pour la santé. Voilà, c'était les conseils de Manu. Va-t'en toi. Je t'ai dit quoi là? Tu te caches tout de suite. Tu enlèves ta moustache de la tête. Je vais t'éclater les yeux. Yark, j'ai des ananas sur la tête. Tu vas goûter aux ananas? Ma voix se barre en couille quand je fais ça. Oh oui. Wouh, il y a quelque chose de nouveau. Information, Albin passera à Binic le 5 avril. Préparez vos outils et on se retrouve sur la place ce jour-là. Wouh, Rénald, tu veux me parler? Alors, qu'est-ce que tu me veux? J'ai une boule de ronce, bien vu ma gueule. Allez, alors, le prix que tu veux, voilà, j'en ai rien à foutre. Mais alors là, d'une puissance. Mais les pouces de bambou, mais je m'en fous. Enfin, les pouces de bambou, la boule là, machin. Bon, on va voir la rue commerçante. Oh mon dieu. Oh, quelle horreur, monsieur, vous êtes moche. Ne m'approchez pas. Oh, ça cachait quelque chose de mieux tout ça. Bonjour, crabeau. Dommage qu'il ait quitté la ville, le petit crabeau. C'est trop dommage, petit crabeau. Bon, on va voir hein, qu'est-ce qu'ils vendent là, les bricots là. Oh yeah, je entre vite. Mais oui, j'entre vite, hein. Que veux-tu? Hein, tu te calmes là? Tu arrêtes de me suivre là? T'arrêtes? Calme. Oh, bonjour Gilbert. Bonjour Henri, ou je ne sais quoi. Hamster plutôt assez bizarre et moche. Oh, bonjour, maquillage dégueulasse. Toi, tu sais, il y a esthéticien à côté, esthéticien là. Tu devrais y aller, hein, garçon? Ah oui, au passage, les gens, avant de vous inquiéter pour la vidéo spéciale 3000 abonnés, alors ne me demandez pas, s'il vous plaît, de la sortir, ok? J'ai énormément de choses prévues le mois d'avril. Déjà, je serai en stage, un nouveau stage, oui. Je vous préviens juste, s'il n'y a pas beaucoup de vidéos à ce moment-là, je ne sais pas si je pourrais en faire, si j'ai le temps, mais ça m'étonnerait. J'ai un oral d'histoire des arts, demain. Mercredi, 1er avril, c'était une connerie. Non, en fait, c'est vrai. Voilà. Donc, il faut que je révise et tout, donc c'est normal qu'il y ait... Enfin, je fais ce que je peux, hein. J'arrive à retenir pas mal les trucs, voilà. Hein. Donc, bref, on s'en fout. Alors, le truc, c'est que j'ai un d'entretien, voilà, on va pas dire de vulgarité. J'ai un entretien pour passer dans un lycée. Ok, c'est ultra important, donc c'est normal, Ne me mettez pas la pression en disant que tu peux sortir la vidéo s'il te plaît. D'accord, s'il vous plaît, genre, je pense que je la ferai pour les 3 à 4 000 ou 3 à 5 000 abonnés. Parce qu'on verra bien, d'accord. Mais je voudrais la faire pendant les vacances, d'accord. Je suis en vacances, je suis le deuxième à être en vacances, donc c'est-à-dire que je suis en vacances le 17 au soir, d'accord. Donc pas d'inquiétude les gens, la vidéo sortira, mais il faut juste me laisser le temps de souffler parce que ça va être quand même assez space le mois d'avril, d'accord. Voilà, c'est dit, c'est fait. Mais j'avais oublié de le dire dans la précédente vidéo. Bien. Alors, les sœurs doigts de fée, je te préviens, si tu ne fais pas ton boulot correctement, je vais te massacrer. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Aviateur? Ah, c'est une veste d'écolier. C'est moche. C'est moche. Ah, on dégage. Je vous assure
que je vais acheter ça. What the fuck? Ah oui, j'achète ça. Alors, je peux essayer ma fille, fille. Oh, c'est parfait. Oh, c'est magnifique. Oh, je prends. Ah, oh, yes, je prends. Eh, mais non, mais tu te fous de ma gueule, là. Attends, un peu de tenue, quand même. Ah, parfait. Regardez, j'ai du caca sur la tête, là. Attendez, de côté. Je suis désolé, mais ça ressemble à moitié de la merde. Bon, voilà, on y va. Hop là. Au revoir. Ah, on sent bien, là, hein. Avec deux boules. Ouais, une. Une. Ah, c'est super. Allez, on y va. Ouais, je vais prendre une photo, les gens. Bah ouais, c'est magnifique, quand même. Un minimum. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de tenue. Voyons, voyons. Où allons prendre la photo, là, la photo? On va prendre un endroit à bien... Oh, tiens, une rose. Rose. Oui, oui, oui. On va prendre la photo... ici, là. Hein. Ah ouais, ici. Ah, regardez, là, je suis... Ah non, on va pas ici. Ok, bon, bah, pas si manque des fleurs, voilà, je suis comme ça. Ah, ah. Bon, alors, on va se mettre où, là? Ah oui. Merci, saloperie, d'avoir tout rasé. Ah, elle m'a rasé mes fleurs et tout, il y avait des hybrides ici, elle m'a tout pété. Oh, Cube, comment tu vas? Bien? Bien ou bien? Bon, alors attendez, on va prendre la photo d'abord, c'est un minimum. Hein, avec cette tenue tout de même, j'ai l'air de ressembler à un énorme chou-fleur. Donc on va prendre la photo. Oh, ici, tiens, c'est pas bête. Oh, ça rend bien, là. Ouais, ouais, ça rend vachement bien. Hein. Bon, allez, super, en fait, on s'en fout. Alors, on va faire genre qu'on danse, hein, parce qu'on est content. En fait, on l'est pas du tout, mais on est content. Et voilà. Et là, on a pris une photo qui était parfaitement... en fait, on n'avait pas du tout d'enthousiasme sur la photo. Voilà, on ressemblait à ce pissenlit bien moche, là, voilà, qui vient de décéder maintenant, actuellement. Et du coup, on va aller voir... Fous le camp, t'es moche. Cube, mon petit truc tout rond. Ah ouais, je vais déterrer ta capsule, ma gueule. Ah bah, je crois que c'est ça. Bah, ça tombe bien. Et puis ça, t'as de la chance, hein. Ouais, on va déterrer ta capsule. Oh, la capsule. Ça faisait tellement longtemps que je l'ai enterré, quoi. Je sais même plus de quand ça date. Oh, la téléportation. Eh, tu reviendras tout de suite, toi. Eh, là, Pancho. Voilà la capsule, ma gueule. Oh, j'ai des cadeaux. En fait, j'ai lu les lettres. J'ai même pas pris les cadeaux qu'il y avait dedans, quoi. Voilà, on va découvrir ensemble, les gens. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, qu'est-ce que c'est? Un t-shirt flashy. Oh, j'ai eu ce truc en cadeau, mais je ne l'aime pas. Quand tu le retrouveras, il sera peut-être devenu cool collector et vantage. What? Ça se dit, ça? Vintage. Ah, vintage. Ah, pardon. Que m'as-tu donné? Ne me dis pas que tu me l'as donné. Putain! Mais t'es sérieux? Ah, j'avais qu'à ouvrir la boîte dès le début, moi. C'est comme ça. Attendez, mais on va se donner un look, là, c'est pas possible. Mais c'est parfait, tout ça, les gens. Je suis en train de commettre l'irréparable. Ça devient horrible, les gens, là. Là, mon bonhomme ne ressemble plus à rien. Je crois que vous êtes en train de me dire depuis le début... Enlève cette perruque! Ah, j'ai plus de place! Ah! Ah, que faire? Ah! On va mettre ça. Oui, parce que j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles au passage. Voilà. Comme ça. Vite! Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? On va... Alors, attends, on va... Merde. Punaise, mais n'arrache pas les flammes! Oh, mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh le mono! Oh le mono! Oh mono sourcil! Oh mon Dieu! C'est toi qui as rasé chez moi? C'est toi qui as rasé? Mais arrêtez là! Toi tu te caches là tout de suite? Je vais te défoncer! Je vais te massacrer la tête! Ok? Alors tu te caches! Et toi là le mono sourcil? Mais toi mais t'as tout défoncé! Alors toi t'as le jackpot là! Le jackpot de la connerie oui! Ah punaise c'est pas possible les gens comme ça mal élevés là! Je t'assure là je vais te défoncer! Bon attendez on va enlever ça là! Ok le couvre-chef! Bon alors, on va manger ça, parce qu'on aime bien la terre. C'est bon la terre. Oh oui, la terre. Alors, un cadeau de Reynald. Tiens, c'était un cadeau de Reynald en plus, et j'avais même pas regardé. Une roue colorée. Une roue colorée. À quoi ça ressemble? Je suis Narmol. Bon, alors attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des trucs à la poubelle tout de suite. Ok? Et après, on regarde le dernier cadeau. Mais je pourrais pas l'ouvrir. Parce qu'on est dehors. Enfin, quand on sera dedans, je ne pourrai pas l'ouvrir, le cadeau, parce qu'ils aiment pas qu'on mette... Ah, c'était de ma mère. Ils aiment pas qu'on mette l'emballage par terre. C'était un mur vert. Mais je m'en fous du mur vert. Tiens, regarde, tu vois ce que j'en fais de la lettre, ta maman, là? Je la jette. Et voilà, je la jette. Et là, tu peux plus rien faire, parce que je l'ai jeté. Bon, bah voilà, on rentre dans la maison. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, merci, moi, Coco Gaming. C'est comme ça qu'elle s'appelle sa chaîne, ok? Merci pour la photo de Rossi. Yark. Rossi, ah, lui est né le 27 février, pardon, excuse-moi. Bah
tient les anniversaires. Et le Rénal, c'est le 5 janvier. Bienvenue dans mon club, ouais, machin, ok, super. Pourquoi suis-je allé là? Ah oui, j'ai agrandi la pièce. Alors ça, c'est une sitar. Oui, c'est une sitar. Et ça, c'est quoi déjà? Ah, je sais plus le nom, ah, ça m'énerve. Punaise, je le connais pourtant. Bah voilà, hein, ça a bien grandi, hein, ici, hein. Qu'en pensez-vous, les gens? On y va. Bon, où est-ce que... Ah oui, c'est là-haut que je voulais aller. Alors avant que les nouveaux abonnés comprennent pourquoi il y a ces meubles et qu'ils font what the fuck, en fait c'est la collection bleue. J'ai pris des meubles bleus de base, j'ai pris des saphirs qu'on déterre avec les cailloux, quand tu tapes dedans, voilà, enfin voilà, quand tu tapes dedans. Et après j'ai emmené à Serge, et que Serge il m'a proposé de faire avec le meuble bleu, avec les saphirs, ceci. D'accord, donc me posez pas la question en commentaire, ok? Ça suffit. J'ai la flemme d'écrire pour tout le monde. Alors on va jeter le t-shirt, les pousses de bambou tant qu'on y est, le mur salon de thé, le mur vert, la chaise ordinaire, ouais bon bah on s'en fout. Perruque matrone, c'était la jolie chose qu'on avait sur la tête. Et la bûche en chocolat, non on va la garder. Et on va jeter les fossiles. Oui, vous allez dire, mais punaise, pourquoi tu fais ça? Parce que je m'en fous. Oui. Et ça va être la fin de la vidéo. Donc merci d'avoir regardé les gens, j'espère que ça vous aura plu. Ah et bien évidemment, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Allez, salut. Oh. Oh. Oh.